Buffy avec les Tasters. Hey yo, bonjour à tous, bonsoir, bienvenue encore dans Entre filles avec les sisters. C'est le 3e numéro, nous sommes très contents de vous avoir avec nous, parmi nous, et nous espérons que cette émission vous fait du bien, parce que, croyez-nous, elle nous fait du bien aussi. Alors je veux dire bonsoir à la ville des oiseaux, bonsoir à la population du côté de Rio, de l'Alliance, de Montagne Sainte, du fumier, et je vais pas tout citer, je vais laisser le temps à ma co-animatrice Flock Sunshine de venir aussi saluer notre très belle et très chère ville de Mwanda. Voilà. Et comme toujours, nous allons l'appeler Stay Tuned sur 94.2. Allô? 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 Flock Sunshine, comment ça va? Je vais bien, et toi? Moi, ça va. J'étais là, je saluais la ville de Mwanda. Et je me suis dit, ben, comme d'habitude, je ne vais pas saluer la famille toute seule. Je vais te laisser aussi ton moment de saluer. D'accord. Donc, bonsoir à la ville de Mwanda. Bonjour, la ville de Mwanda. Je ne sais pas quel moment vous allez m'écouter, mais bonsoir à tout le monde. Bonsoir du côté de Leima, de l'Écolo, du fumier. Et bonsoir. La ville des oiseaux. Alors, il y a quelques heures, on était en ligne, en direct sur notre page Facebook Entre filles avec les sisters. Pour ceux qui ont le temps, vous pouvez aller voir la vidéo. On parlait du show, on parlait de comment on a commencé et pourquoi on a accepté de le faire. Et aussi, on invite aussi tous ceux qui ne peuvent pas rester sur la fréquence 94.2 de nous rejoindre sur Entre filles avec les sisters sur Facebook et YouTube pour écouter l'émission et aussi pour commenter et nous envoyer des messages pour participer. On a besoin de vos feedbacks, de vos retours. On a besoin de vos commentaires. On a besoin de savoir ce que vous en pensez de cette nouvelle émission. Et voilà. Mais pour le reste, nous savons que 94.2 Radio Mwanda rediffuse à chaque fois l'émission. Donc, écoutez et faites-nous part de vos commentaires, de ce que vous en pensez. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant qui n'est tout autre que le développement personnel. Pourquoi le développement personnel? Parce que de nos jours, c'est très important de s'épanouir individuellement. Et pour s'épanouir individuellement, il faut savoir se développer personnellement. Et sans plus tarder, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste aller rapidement sur Google, vous savez, comme on disait la dernière fois, tu veux savoir quelque chose, va sur YouTube, va sur Google et il va te donner les réponses à tes questions. Je vais juste essayer de voir ce que Google dit par rapport au développement personnel. Donc voilà, le développement personnel est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi. En tout autre, ou pour dire simple, c'est l'amélioration de la connaissance de soi, de la valorisation des talents et des potentiels, l'amélioration aussi de la qualité de vie personnelle, et etc., etc. Voilà. Donc, c'est le développement personnel, c'est se développer soi-même. C'est de mettre tout en œuvre pour se développer. T'en penses quoi, Flox? Pour moi, le développement personnel, j'essaie aussi de trouver une définition. C'est la démarche globale de réflexion sur et de valorisation de son potentiel dans le but d'améliorer la qualité de sa vie et réaliser l'aspiration, des aspirations profondes. C'est une définition que j'ai trouvée parce que je me disais qu'il fallait au moins essayer de définir pour que les gens comprennent exactement. En d'autres termes, le développement personnel a pour but la réalisation de soi.
Et pourquoi c'est important de se développer soi-même, de se connaître et d'améliorer sa qualité de vie et tout ça? C'est parce que l'être humain, je pense, hein, pour ma part, a coutume de penser que l'autre vit mieux que lui, que l'autre a la solution à ses problèmes, que l'autre est meilleur. Alors que si, en tant qu'être humain, individuellement, on se met à la tâche, essayer de voir et de comprendre sa vie, le but de sa vie, et de mettre tout en œuvre pour s'améliorer, pour aussi avoir cette vie-là qu'on voit chez l'autre. Et pourquoi pas même plus? Voilà, et pourquoi pas plus? On avancerait. Donc, le développement personnel est là pour t'aider à t'épanouir personnellement, ça t'aide à te rendre heureux. Et aussi, lorsque tu es heureux et épanoui, tous les aspects de ta vie vont en bénéficier. Yeah. Que ce soit physique, psychologique ou professionnel. On peut aussi ajouter financier, émotionnel, tout dépend de vous. Financier. Et il y a autre chose que je vois ici, parce que je ne vais pas vous mentir, je suis en ce moment sur Google, pour vous dire, que, comme on a dit dans notre émission de la fois passée, qu'on apprend à tout âge, et c'est très facile aujourd'hui avec le digital, la technologie, de se renseigner, de se développer, d'apprendre. Donc ici, on me dit que les bases de la psychologie du développement personnel sont d'abandonner toutes les idées négatives, très important, et de les reformuler en pensée positive. Voilà, je ne vais pas dire le reste parce que ça utilise, il y a plein de gros mots soutenus ici, et on n'est pas là pour ça. Mais on doit retenir là-dessus qu'il faut tourner toutes les pensées négatives qu'on a, je ne suis pas capable, je ne peux pas, je suis vilaine, je ne peux pas réussir, ou tout ce que vous êtes en train de vous dire en ce moment, de tourner ça en pensée positive. Je peux, je suis capable, je suis beau, je suis belle, je peux réussir, je peux changer ma condition, je peux. Comme le président américain, enfin l'ancien président américain Obama, qui pouvait dire « Yes, we can ». Yes, we can. Oui, nous pouvons. Et à partir d'aujourd'hui, nous espérons que après cette émission, vous allez arrêter d'avoir, quel que soit hein, par quoi vous passez en ce moment, vous allez arrêter de penser négativement et de commencer à penser positivement. Parce que croyez-moi, comme on dit, il y a une solution à tout. Donc, comme pouvait dire ma co-animatrice, le développement personnel agit partout. Je vais essayer d'expliquer pourquoi on doit contribuer à son développement personnel. Le développement personnel va non seulement t'aider à t'accomplir, va te donner de plus en plus de l'estime de soi, va t'aider à te trouver, donc c'est-à-dire te trouver par rapport à ton appartenance, créer des liens avec, incrimer autour de toi, ou encore ça te permet aussi d'être en sécurité. Quand je parle de se sentir de mettre en sécurité, je fais référence par là d'avoir confiance en soi, et aussi il contribue aussi à la physiologie du fait de manger, boire, dormir ou encore respirer. Lorsque l'on cherche à se développer personnellement ou encore à s'épanouir personnellement, si on peut aussi le dire comme ça, on peut à ce moment-là, au niveau de la physiologie, on va chercher à mieux manger, à mieux boire de l'eau. Parce qu'il y a un moment, il y a certaines personnes qui ne savent même pas boire de l'eau. Ils ne boivent pas assez d'eau. Il y a certaines personnes qui boivent peut-être trop. Mais la plupart du temps, ils ne boivent pas assez d'eau pour leur peau, pour leur physique. Ils ne dorment pas assez. Il y a certaines personnes aussi qui ne savent même pas qu'il faut prendre du temps pour respirer, pour mieux se sentir dans sa peau et pour être une personne fructueuse pour la société, pour sa famille et fructueuse même aussi pour soi-même. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Pour revenir sur ce que tu dis, surtout sur le côté physique, on va prendre le côté physique. Bon, il y a beaucoup de personnes qui se sentent mal dans leur peau, soit trop gros, soit trop mince, et ça développe des complexes. Ou encore certaines personnes qui souffrent d'handicap, il ne faut pas oublier ces personnes-là. Voilà. Ouais, on va essayer de tout citer. Par exemple, si tu te sens trop grosse, par exemple, trop gros, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut se mettre au sport. Il faut aller voir un diététicien. Si les diététiciens, c'est trop cher, c'est facile, comme on a dit la dernière fois. Va sur Google, va sur YouTube,
investis dans les data, le forfait, et vois comment il faut perdre du poids. Peut-être que tu vas commencer un régime à mieux manger, ou peut-être manger 3 fois. Si tu mangeais 1 million de fois par jour, 3 fois par jour, si tes quantités étaient énormes, tu commences à réduire les quantités. Aujourd'hui, on parle de jeûne intermittent. Tu peux aussi commencer un jeûne intermittent. Jeûne intermittent, pour ceux qui veulent aller faire des recherches, c'est un jeûne qu'on fait dans le but de perdre du poids. C'est-à-dire, tu manges jusqu'à une certaine heure et une autre heure, tu ne manges pas. Comme je disais, tu fais des recherches. Aujourd'hui, on a plein de diététiciens en ligne. Il y a une que je connais qui s'appelle Hervé Fitness. Peut-être qu'on l'aura bientôt ici, Hervé Fitness 241. Il y a une diététicienne aussi sur Facebook qui s'appelle Instant Bio. Instant Bio. Elles sont là, elles proposent des produits et tout. S'il faut commencer à prendre des thés, ben tu prends des thés. Il faudrait que toi-même d'abord, tu puisses réaliser que mon cas n'est pas bon et qu'est-ce que je fais? Parce que, pas qu'est-ce que les autres vont faire. Parce que la décision nous appartient toujours. Le changement commence par nous-mêmes. Le changement ne va pas commencer par ton voisin, hein. Ça commence par toi. Bon, et ceux maintenant qui veulent prendre du poids, ben, fais des recherches. Vois ce qu'il faut manger ou quelle qualité de vie alimentaire tu dois avoir pour prendre du poids. Peut-être que tu vas te mettre au sport. Voilà pourquoi vous voyez que dans d'autres pays, ou même à Libreville, je le vois souvent, des gens vont courir au bord de mer. Ben oui, il faut le faire. Si tu as un but à atteindre par rapport à ton physique, tu as un certain physique que tu veux atteindre, ben, il faut mettre les moyens. D'autres, peut-être, devront aller faire la chirurgie esthétique. Ah ben oui, ce n'est plus un tabou. Tu mets de l'argent de côté, tu vas refaire, quel que soit ce que tu as envie de refaire, tu vas le refaire. Ou bien, il y a maintenant des crèmes, comme je vois, des crèmes. Bon, quand même, pour les crèmes et autres, assurez-vous. C'est pas... Que c'est sans danger. Voilà, que c'est sans danger. Essayez de voir si c'est conseillé par votre médecin, sinon essayez, prenez des informations sur des personnes qui ont déjà essayé le produit ou autre. Voilà c'est ça. Le produit ou autre. Et je tenais aussi à ajouter que, avant tout, de commencer le développement personnel, ça commence par le fait d'accepter qu'on ne va pas bien. Parce que si on accepte pas qu'on ne va pas bien, qu'on n'accepte pas qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'on a un problème, on ne va jamais essayer de chercher à aller mieux ou encore à s'améliorer. Effectivement. Le développement personnel commence par là. Effectivement. Chercher le problème et ensuite trouver une solution au problème. La prochaine étape sera maintenant de s'améliorer. Parce on peut que, dire voilà, que le développement personnel a pour but de s'améliorer. Oui, comme on vient de le lire. Comme on vient de le lire d'ailleurs, c'est pour s'améliorer. Comme elle venait de dire, savoir connaître le problème, se dire que oui, mon problème c'est celui-ci. Et ensuite, se donner les moyens de s'améliorer ou de changer sa vie. Si votre maison est sale par exemple, vous devez voir d'abord que c'est ça. Bon, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne voient pas la saleté, hein. Mais il faut d'abord voir et reconnaître que oui, là c'est sale. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais mettre les moyens pour nettoyer, arranger. Au lieu de dire que chez mon voisin c'est beau, mets-toi, donne-toi les moyens d'arranger chez toi pour que ça soit beau comme pour chez le voisin ou plus. Moi, je préfère à ton goût, parce que s'il faut faire aussi les choses par rapport à autrui, ça c'est un autre problème. Mais il faut faire les choses selon soi. C'est-à-dire que maintenant, que tu sais que chez toi, ça sent mauvais, vas-y, achète ce qu'il faut, investis dans ce qu'il faut pour te sentir bien. C'est pas sorcier, c'est vraiment pas sorcier. Ça, c'est du côté physique. On peut parler même de la beauté. Donne-toi les moyens pour te faire les cheveux. Mets de l'argent de côté pour acheter une paire de chaussures, un parfum. Améliore. Deviens ce que tu veux. Et si maintenant on arrive à des moments où on ne peut pas changer, soit pour les handicapés par exemple, il y a certaines déformations qu'on ne peut pas changer. Il y a certaines choses, par exemple, il y a certaines choses comme l'acné qui n'est pas souvent due à l'acné sévère. Oui. Certaines personnes souffrent d'acné sévère. Donc, à ce moment-là, vous pouvez essayer de traiter, par exemple, quand il s'agit de l'acné, vous pouvez essayer de traiter, mais il faut accepter aussi que ça sera toujours là et apprendre à aimer cette acné aussi.
il faudrait apprendre à l'aimer. Il faudrait apprendre à aimer ton handicap. Il faudrait apprendre à aimer ce défaut qu'il y a sur toi et le rendre mignon avec. Pour le rendre, voilà, pour le rendre plus beau. Déjà, wow. Premièrement, il faudrait l'accepter, apprendre à l'aimer. Dès que tu vois dans le miroir que c'est beau, eh bien, tout le monde le accepte. Alors, toute personne qui souffre, qui ont du poids, qui ont toujours eu des rondeurs, qui ont toujours été en surpoids, bon, ils sont toujours comme ça. J'ai connu des personnes qui ont toujours été comme ça. Peu importe ce qu'ils ont fait, ils ont été comme ça. Sur Instagram, par exemple, il y a des personnes qui sont vraiment rondes, mais tellement elles ont accepté leur poids, se sont mis en valeur. Quand je les regarde, elles assurent tellement que c'est incroyable. Je me demande où elles trouvent cette joie de vivre, et ça encourage tout le monde, on les encourage beaucoup de personnes. Donc je me dis d'abord qu'il faudrait s'accepter. D'abord. On va prendre une pause juste pour souffler, pour que vous aussi vous puissiez souffler, et on revient dans quelques minutes. Stay tuned sur 94.2 94.2 Radio Moine. Hey yo! Alors, nous sommes de retour sur 94.2, 94.2 Radio Mwanda. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le développement personnel. Et avant de partir, ma co-animatrice parlait de toutes ces personnes-là qui ont des défauts, qui ont des anomalies. Elle a pris l'exemple d'acné qui parfois ne part pas, et ou des personnes rondes qui se sont assumées, qui sont devenues aujourd'hui des ambassadeurs des mannequins grande taille, comme on dit. Il y a aussi ces personnes-là qui souffrent de maladies comme le vitiligo. On peut prendre l'exemple de Winnie Harlow, qui est aujourd'hui une très grande artiste, reconnue aussi par rapport à cette maladie. Elle a vraiment assumé le fait qu'elle a deux peaux. Et parce qu'elle a assumé cela, les gens ont adhéré, les gens ont aimé. Les grandes marques sont venues à elle. Il y a aussi ces personnes qui sont des albinos. Bon, ce n'est même pas un handicap, c'est juste un problème par là de peau. D'ailleurs, moi, dans ma famille, il y en a beaucoup. Nous en sommes fiers. Voilà, je me dis toujours que si demain je fais un clip vidéo, vraiment, elles vont être là en premier plan avec leur jolie peau et leurs jolis cheveux. Donc, il y a beaucoup qui ont assumé leur différence. Voilà, on va dire ça comme ça. Assumé leur différence et elles n'ont pas juste assumé leur différence, mais elles ont aussi amélioré leur différence. Parce que même les mannequins grande taille, elles sont en forme, mais vous allez voir qu'elles ont un régime particulier qui fait en sorte qu'elles ne descendent pas dans une obésité vraiment extrême. Celles qui ont le vitiligo, vous allez voir qu'elles utilisent des crèmes pour hydrater et tout ça, et faire en sorte que ça, leurs deux couleurs soient encore bonifiées. Et pour avancer, on va aussi parler du développement personnel du côté des finances, parce que oui, le développement personnel permet d'avoir une confiance en soi extrême qui vous permet d'aborder la vie et d'arrêter d'accuser le prochain ou de développer certains complexes. Donc, si financièrement ça ne va pas, développez-vous. En faisant quoi? En repartant à l'école, par exemple. En allant faire une autre formation. Aussi, en mettant de l'argent de côté pour investir dans un projet. Ou parfois en cherchant un autre travail, si vous n'êtes plus heureux dans le travail que vous êtes en train de faire. Appliquez ailleurs ou investissez dans autre chose. Donc c'est ça. Ça permet que vous ne puissiez pas vous lamenter à chaque fois et de dire les autres. Non. Ça permet aussi d'avoir une certaine force afin que d'autres personnes ne puissent pas prendre avantage de vous. C'est très important.
et nous allons descendre petit à petit dans le développement psychologique. Oui. Avant tout, je voulais ajouter quelque chose sur le développement financier. J'aimerais dire aux gens de si vous n'avez pas assez de moyens pour retourner à l'école ou que vous pensez que vous n'avez plus cette force-là pour y aller, je vous conseillerais d'aller sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos qui parlent de comment gérer de l'argent. C'est ça aussi le développement personnel, aller vers l'information, apprendre, comme nous avons abordé la semaine passée. Allez sur YouTube, apprenez comment gérer vos finances. Apprenez comment et où investir votre argent. Voilà. À faire certains sacrifices au lieu de passer du temps à dépenser de l'argent dans de l'alcool, dans des choses futiles, et après vous allez crier à la crise ou à la pauvreté, il serait peut-être temps de se remettre en question et d'investir son argent dans des choses plus intéressantes. C'est aussi ça le développement personnel. Faire le ménage autour, enlever ce qui est mal, changer d'habitude. Au lieu de dire « ouais, je suis comme ça », changer d'habitude, s'améliorer. Et aussi longtemps que vos habitudes ne font pas du mal au prochain ou même à vous-même, bon, vous pouvez les assumer. Mais si elles vous font du mal et font du mal à vos prochains, peut-être qu'il serait temps d'y travailler. Travailler sur vos habitudes, travailler sur votre caractère, si vous êtes colérique, si vous êtes voleur, si vous êtes ceci ou cela. Faut pas avoir honte. Travailler là-dessus. On va descendre aussi sur le côté psychologique parce qu'on se rend compte que, surtout dans nos sociétés, beaucoup de personnes souffrent en silence. Même pas ça. Le côté psychologique est vraiment négligé. Je me rends compte que quand tu dis que tu vas aller voir un psychologue ou encore que tu dis que tu souffres, tu as l'impression de souffrir de dépression ou d'anxiété, les gens autour de toi, les gens autour de moi, je veux prendre l'exemple sur moi, me disent que ça, ce sont les choses de blanc. C'est pas pour nous. Si tu as quelque chose, va juste dormir ou autre. Pourtant, c'est tellement important. C'est vraiment dommage qu'en Afrique, on néglige ce côté très, très, très important. Ouais. Qui joue un grand rôle dans notre équilibre. Ouais. Parce que la psychologie, c'est vous, hein. Quand tu es mal dans ta tête, tu seras mal partout parce que tu ne pourras pas te concentrer ni à l'école, ni au travail, ni dans ton foyer, ni dans je ne sais pas quelle activité tu fais. Quand tu es mal là, en haut, dans la tête, terminé. Et voilà pourquoi d'autres se suicident, chose qu'en Afrique, on n'accepte pas, mais cela se passe. Ou d'autres se lancent dans l'alcool, aller boire. Ou encore des drogues. Des fois, les gens qui fument le chanvre ou encore ce qu'ils s'adonnent à des drogues un peu encore plus complexes ou dures, c'est souvent dû à leur déséquilibre psychologique. Et le fait qu'ils n'ont pas d'encadrement et que c'est pas ancré dans leur culture ou encore c'est encore tabou encore. Voilà que la personne garde ça en soi, se dit, surtout pour les hommes vont se dire un homme ne pleure pas, un homme sait, donc il accumule. Et je pense que c'est pourquoi on a ce phénomène en Afrique que les hommes meurent avant les femmes. Je sais pas si c'est vrai, mais je crois que ça, c'est l'une des causes. Donc le développement. Trop d'accumulation. Alors le développement personnel, psychologique revient à faire face à ces problèmes. Verbaliser les choses, parfois aussi aller voir un psychologue, dire les choses, ou pour d'autres, ceux qui ont des pasteurs. Si tu sais que ton pasteur est bien, c'est pourquoi, pour ma part, je pense que tous les pasteurs devraient avoir ce côté psychologue. Parce qu'ils dealent avec les vies des personnes chaque jour. Les gens viennent avec leurs problèmes, bon, parler, tout ça. Moi, je me dis même que les pasteurs devraient faire, s'il y a des séances accélérées en psychologie, qu'ils fassent un cours là-dessus pour pouvoir renforcer et aider les fidèles. Parce que si à la maison ça ne va pas, que à la maison on ne peut pas être soutenu, et dans son entourage non plus, mais quand on va à l'église, on est censé aussi retrouver cette partie-là. Donc je me dis que les pasteurs aussi, vous avez vraiment un gros boulot à faire et oui. Ils devraient
être en relation avec des psychologues. Ah, ou bien eux-mêmes. C'est mon point de vue. Ou bien eux-mêmes avoir ce côté-là, hein, parce que les gens viennent exposer leurs problèmes. Ils n'ont pas besoin Parfois, ils n'ont pas besoin de « ma sœur va seulement prier ». Non. Ils ont besoin d'être écoutés. Ils ont besoin d'être écoutés. Et que la personne qui est devant eux puisse comprendre ce qui se passe. Parce que parfois, d'autres ne comprennent pas. Ils vont te dire, je ne sais pas, te donner, je ne sais pas quelle réponse. Allez-y, ça va, couvrez, je ne sais pas quoi. Ou encore un verset, ils te donnent juste un verset, après, basta. Or, ce n'est pas juste que ça. Il y a certains qui donnent juste un verset, mais il y en a d'autres qui réussissent à donner un conseil qui va impacter réellement sa vie. Donc là, il faudrait vraiment qu'ils soient inspirés par le Dieu Tout-Puissant. Parce que je suis convaincue que le meilleur psychologue du monde, c'est Dieu. Alors, allez-y voir votre imam ou votre pasteur et parlez, verbalisez les choses. Faites face. Ne gardez pas les choses dans le cœur, en fait. Parce que ça ne va... Vous allez exploser un jour ou l'autre. Dites les choses, adressez les choses. C'est dommage que vraiment ce côté psychologique, comme tu disais, n'est pas pris en compte. Parce que je pense que dans chaque école, dans chaque hôpital, dans chaque société, il doit avoir un psychologue. Parce que les gens passent par des moments difficiles chaque jour. Et la seule chose dont ils ont besoin, c'est de parler à quelqu'un de neutre. Oui, c'est très important. C'est vraiment plus facile de parler à quelqu'un qui n'est pas de notre entourage, qui est vraiment très neutre. Tu trouves plus facilement qu'avec quelqu'un que tu connais. Parce que cette personne connaît ton entourage d'abord et aussi te côtoie tous les jours et côtoie les personnes que tu connais, on sait jamais. Ou bien, je pense que ça sera aussi bien dans les familles, hein, d'avoir quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui saura te donner un petit conseil, qui saura peut-être se... s'enlever de dire « ouais, c'est ma sœur, c'est mon frère », non. Mais juste écouter d'une autre oreille et te dire « non, fais peut-être comme ça », sans jugement en fait. C'est très important. Donc, psychologiquement, essayez de vous développer. Si vous êtes arrivé quelque chose de difficile dans votre vie, faites-y face, guérissez de la chose. Très, très, très important. Ne surpassez pas, guérissez de la chose et avancez. Je crois que, Florence, comme on a dit, pour le prochain numéro, on va accueillir un psy. On aura un psy avec nous, j'espère. Qui va nous aider. J'espère de tout cœur que vraiment on va l'avoir pour que il nous dise un peu plus sur la psychologie, l'importance de la psychologie et comment ça aide. Parce que, comme on a dit, on a l'impression que en Afrique, on est tous des robots, quoi. Tu parles de ça, on te dit, oh ben bref, ça c'est les choses des blancs ou quoi. Bon après quand c'est quelqu'un, pour les faibles. Voilà, quand quelqu'un se suicide, on dit mais comment c'est arrivé. Dernièrement, j'ai suivi sur la toile un papa qui a assassiné ses 3 enfants et ensuite qui s'est pendu à cause d'une infidélité. Bon, pourquoi on en arrive là? C'est ça. On peut voir qu'il y a eu beaucoup de choses. C'est incroyable. Ben oui. Le monsieur, il a quand même eu le temps de découper ses enfants. Bon. Non mais. Vous voyez. C'est dingue. Aujourd'hui, on va voir que c'est dingue. Mais quand la chose a commencé, s'il y avait eu un psychologue ou quelqu'un qui aurait vu la chose venir, on aurait aidé le monsieur et sa femme. Et même pas ça. Si les couples en Afrique prenaient la peine d'aller voir, on les appelle comment ? Des coachs, de relationnels, maritales, c'est quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Il y a des gens qui gèrent les situations complexes des couples. Je me dis quand même qu'en Afrique, on doit apprendre à le faire. Bon, ça, c'est en Europe, c'est ce qui est fait. Mais ici, je pense que on va voir soit la mère, le père, des personnes qui ont déjà assez d'expérience dans le mariage et autres. Peut-être qu'ils pourront te conseiller. Mais souvent, eux aussi. Et t'aider à surpasser cette étape, ce petit souci qui vous pourrit la vie. Mais parfois, tu te rends compte qu'eux, ils n'aident pas. Parce que ce qu'on entend souvent, c'est quoi? On va te dire repars. C'est vrai, hein? On te frappe. Tu es malheureuse. On va te dire repars. C'est comme ça, c'est le mariage. Va souffrir en paix. Le mariage. On voit ces femmes-là qui sont tremblées, des
milliards de fois par leur mari, mais quand on dit oui, un homme, ça trompe tous les jours. Bon, franchement, je n'adhère pas à cette idée. J'adhère pas. Il faudrait qu'on en parle. Ça peut être un sujet, hein. Oui. Cette histoire de l'homme trompe tous les jours. Mais allô, c'est à cause du fait qu'on nous dit que c'est logique qui continue. Imaginez toutes les femmes refuser cette situation. Eh ben, aujourd'hui, on ne devait pas être là. Bon, c'est pourquoi il y en a qui meurent à petit feu et qui parfois meurent d'AVC ou d'autres maladies. Oui, et puis cette histoire que oui, j'aurais juste pour les enfants, c'est un peu compliqué parce que là, elle se sacrifie mentalement, physiquement, voilà, financièrement, rien que pour les autres et elle s'est complètement oubliée. Et on a l'exemple de beaucoup de femmes qu'on a vues quand je grandissais, quand elles se sont mariées, elles étaient épanouies, belles, resplendissantes. Mais au moment, au début de leur mariage, mais au bout de quelques années, quand tu la rencontres, tu la regardes, tu dis « Ok, who are you ?» Qui es-tu ? Elle meurt à petit feu. Et tu... Oui, elle meurt à petit feu. Alors que c'est très important. Je veux dire aux femmes que c'est très important de prendre soin de votre santé, voilà, psychologique. Mental. Vous ne dites pas que vous restez dans un foyer. Moi, je ne vais pas dire aux gens de... Je n'ai pas dit partez de votre foyer ou pardon. Je n'ai pas dit que si j'ai dit de partir de votre foyer. Mais je veux juste dire que la santé mentale est très importante. Parce que si vous n'avez pas une stabilité mentale, vous ne pouvez pas communiquer la joie à vos enfants. Voilà. C'est pas possible. Vos enfants, ils vont voir. Les enfants le ressentent. Ils savent. Ils voient, même s'ils ne parlent pas. Voilà. Ils voient et ils savent. Et en conclusion, vous allez juste passer la vie au lieu de vivre la vie. Tout à fait. Donc, on espère de tout cœur. Avant qu'on se quitte, je vais proposer quand même aux éditeurs un petit exercice. Oh, nice. C'est une phrase toute bête. C'est une phrase toute bête. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. C'est un exercice que vous devez faire tous les matins. Vous devez répéter la phrase 20 fois tous les jours dans votre miroir. Quand vous vous regardez, même en marchant, vous répétez ce genre de phrase. Et vous allez remarquer qu'après avoir répété cette phrase-là, des mots positifs, l'énergie, vont suivre. Et ça va agir dans votre esprit. Votre subconscient va capter la phrase. Votre état d'esprit aussi. L'autre astuce, c'est que quand j'ai de l'anxiété ou du stress ou encore je passe un peu par où j'ai un peu peur, je prie. Voilà. Pour ceux qui croient en Dieu. Je me mets à genoux, je prie, ça me fait du bien. Je prie, ça me fait du bien. Et après prier, je m'allonge et je fais de l'exercice de respiration. Je respire, je inspire profondément. Je détends mes muscles. Vraiment, ça aide pour les femmes. Vous savez, notre période où la nature joue avec nos hormones, pendant notre période de menstruation, nos hormones nous jouent des tours. Et des fois, on est soit en colère, on est dépressive ou encore, on passe par beaucoup d'émotions. Donc, je vous conseille de faire ce genre d'exercice. Même les hommes aussi pouvaient répéter cela. Voilà. Merci beaucoup, Flock Sunshine. Merci beaucoup à toi pour l'exercice. Et c'est quoi encore la phrase, s'il te plaît? C'est tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Comme on disait, le développement personnel, c'est changer de pensées négatives aux pensées positives. Ne dépendez jamais émotionnellement de quelqu'un ou de quelque chose. Épanouissez-vous. Il faudrait que la joie vienne de l'intérieur de vous. Sinon, vous allez mourir à petit feu. Et on ne veut en aucun cas que notre petite sœur qui nous suit en ce moment, notre grande sœur, notre mère, notre tante, père, oncle qui nous suit en ce moment, puisse mourir à petit feu. Commencez dès aujourd'hui à vous développer émotionnellement, physiquement, financièrement, psychologiquement, ou quel que soit le compartiment. Quel que soit le compartiment. Vraiment, on a passé un très bon moment avec vous. On espère que vous avez aimé le sujet d'aujourd'hui. On espère que cela va vous faire un grand bien. N'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Entre filles avec les sisters, en inbox ou en commentaire. Là, nous sommes en direct sur Radio Mwanda 94.2 et l'émission sera rediffusée
encore une fois chaque jour, bien sûr. Ou vous pouvez aussi venir encore sur notre page Entre filles avec les sisters pour re-suivre le show. Il faut aussi savoir que nous faisons des directs de temps à autre sur notre page. Bon, abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Voilà. Et la semaine prochaine, on aura un psychologue avec nous. On espère qu'il sera là. Vraiment, on veut. D'abord. On est en train de mettre les ngoutous. On est en train de mettre les ngoutous. Voilà. Pour l'avoir, parce que c'est très important. La vie d'un spécialiste. Voilà. D'avoir la vie d'un spécialiste, d'avoir un psychologue au milieu de nous, on sait que c'est très, très, très important. Parce que si on meurt dans la tête, c'est terminé. Quel que soit ce que vous faites, vous ne vivrez pas la vie. Vous passerez la vie. J'aimerais savoir, j'aimerais poser la question aux auditeurs. Est-ce qu'il y a un psychologue de la ville de Moine, dans la notre chère ville des oiseaux? S'il y en a un, venez sur notre page et mettez-nous ces coordonnées en commentaire. Ça pourrait aider, ça peut aider quelqu'un dans le besoin. Après, qui en aura besoin après nous avoir dit merci? Voilà. Dites-nous s'il y a un psychologue dans la ville de Moine ou s'il y a des psychologues et contactez-nous sur Entre filles avec les sisters sur Facebook avec les coordonnées. On se voit la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.